Hey, salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite game, Ghost Recon Phantoms, où je vous ai promis que je testerai la nouvelle MP5 version Far Cry. On se retrouve sur la map Tomsk en tant que Recon, et je peux vous assurer que je me suis bien amusé. Dans cette vidéo, en fait, j'ai rencontré plusieurs francophones, dont les ISF en face, fanatiques anciennement des Delta Banshees chez nous, de notre côté. Et j'ai joué avec la Boréale, qui est un DIST, qui a un statut assez compliqué. HIH en face, ISF, c'était une partie qui nous a donné du fil à retordre, mais on s'est bien amusé. Aujourd'hui, on va vraiment discuter à propos de ce nouveau tier 10, cette nouvelle MP5H Far Cry, qui est une arme, à mon sens, assez équilibrée. Alors, en fait, au début, je ne l'ai pas trouvé si spécial que ça. Par la suite, je me suis rendu compte que sur les maps close, elle pouvait être super sympa. J'ai eu un début de partie assez difficile parce que c'était ma première partie avec. J'en ai bien chié d'ailleurs. Mais vous le voyez là, pof, je ramasse un kill. Elle est quand même assez stable pour ses 910 de cadence. Vraiment, plaisant à jouer. Je vais essayer de vous commenter ce que je fais au moment où je le fais. Histoire de voir si ça peut vous servir ou pas. Commenter un petit peu mon gameplay par rapport à l'arme. Donc pour l'instant, jusqu'ici, j'y allais à tâtons. Je savais pas trop comment faire, étant donné que c'est la première fois que je prenais l'arme. Donc là, j'ai commencé à me sentir à l'aise et j'ai pris le besoin d'avancer. Donc voilà, comme d'hab, hein, je suis quelqu'un d'assez nerveux et c'est là où l'arme me correspond bien. C'est que voilà, elle a pas mal de cadence, elle fait assez de dégâts et elle me permet d'avancer très vite. Par contre, vous le verrez, du coup, elle fait un peu moins de dégâts que la MP5 normale. Donc du coup, ça m'a perturbé sur plusieurs de mes décals. Je crois même qu'à un moment donné, je passe sur l'autre. Je suis pas sûr, mais je crois. Enfin bon, on va voir ça anyway. Du coup, le début de partie est rattrapé. On part sur du 6-2, donc déjà un score intéressant. Vous voyez qu'au début on est au coude à coude avec la Boréale, donc voilà, c'est que vraiment quand même, j'avais du monde qui valait la peine avec moi. Et bon, c'est quelqu'un que je connais bien aussi, je connais bien son gameplay, et puis on s'adapte très bien l'un à l'autre. On était aussi deux Recon, donc forcément les points ils partent beaucoup plus vite. Et c'est là où le gameplay intéressant, c'est que par rapport à ce que je vois à l'écran, vous pouvez aussi voir ce que je fais en temps réel et pourquoi je le fais. Donc n'hésitez surtout pas à repasser des actions en arrière si jamais vous avez un doute quant à quelque chose. Voilà. Donc vous voyez que pour l'instant, je suis quand même assez prudent dans ce que je fais. C'est-à-dire, hop, pht, je suis allé ramasser l'égide. Et paf! Un blitz dans ma gueule. Pourtant, j'étais bien positionné sur les pipes. Mais bon, c'était. Voilà. Un petit peu mal joué de ma part. Pour l'instant, je veux dire, on a une compo assez nerveuse, elle pousse assez. On a des mates qui font l'effort de venir à niveau, de nous aider à travailler sur point. Donc ça rend la game un petit peu plus soutenue. Et les mecs sont un peu plus, comment dire, sous pression en face. Sachant qu'on avait quand même les HIH et les BUH en face, c'était quand même une belle game. Je pensais pas qu'on prendrait la win comme ça, mais on l'a fait. Parce que pour une fois, en fait, on a une équipe qui a suivi. Et la grosse erreur en face, c'est que les mecs ont été, comment dire, plus que passifs. Parce que vous le voyez, en fait, les mecs, ils subissent énormément. Et voilà, ils bougent pas. Comme là, on est sur B, on est en capture. Ils tentent rien, ils se mouillent pas. L'autre, il campe à droite. Du coup, forcément, nous, ça nous bloque aussi un petit peu pour l'avancer sur point. Mais voilà. Et oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Bon, lui, il a fait écran. Sorry, mate. Il y en avait un BH, il a été ramassé par justement la Boréale ou la grenade, je ne sais plus. Lui, il a essayé de me glitch. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça, mais bon. Voilà. Pour le moment, je peux pas trop avancer, ça me bloque, donc j'essaye de tempo parce qu'en fait, j'ai pas trop le choix. Vu qu'on est en capture aussi. Bon, ça c'était un kill facile à ramasser, j'en ai profité, hein. On est d'accord. Mais vous voyez quand même que par rapport à l'arme que j'ai, avec la compo que j'ai, je me permets de rester tout le temps devant en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Là, faites attention au détecteur de vecteur. Donc je recule. Number 1, je le ramasse. Number 2, je l'accroche au vecteur. Hop. Le troisième, je sais à peu près où il est. J'ai été trop gourmand. Bon, j'ai essayé de le ramasser. Je pensais pas qu'ils étaient autant. Mais anyway, ça a permis de débloquer la situation parce qu'on a Fnatic qui a récupéré de son côté. Je vais quand même réussir à respirer. Ne vous en faites pas. Concernant ce nouveau pack, vous allez me dire, oh putain, non, un pulse, t'as encore cash shop quoi. Vraiment, voilà, t'as cash shop quoi. Non, pas du tout.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vendu toutes mes anciennes armures MK5 ainsi que toutes mes vieilles armes que je n'utilisais plus, les EL qui coûtent assez cher, pour justement m'acheter l'armure tier 6 ainsi que la MP5H SDFC. Putain, comment je l'ai dit d'une traite. Du coup, ça m'a amené à quelque chose genre. Alors, c'était 78 000 l'armure plus 118 000 l'arme. Je vous laisse à peu près arrondir. 80 000 plus 120 000, ça fait à peu près 200 000. Ça fait un petit paquet de pognon quand même pour une arme, mais je trouve que ça en vaut la peine, et puis le skin est quand même assez intéressant, sachant que c'est la première armure EL tier 6 qui sort. Je tenais quand même à la voir, histoire de vous montrer un petit peu comment ça rendait. Et là, moment intéressant, j'ai bien aimé. Apprenez aussi à faire des trucs comme ça, vous qui vouliez des techniques, regardez. Je reste derrière cover, je les laisse faire l'erreur, ils sont 3, et je gagne mes décals contre les 3, pof. Et vraiment, vraiment sympa, hein. Vraiment sympa quand même. Ça, c'est une action qu'il faut vraiment que vous assimiliez. Elle est simple à faire. Vous êtes devant sans trop vous mouiller en fait. C'est un truc assez intéressant à faire. D'ailleurs, toujours jouer dans les angles de mur. Là, c'est pareil. Vous allez voir que, hop, je me mets dans l'angle. Bon, là, je me suis mis en cover parce que c'était plus facile à moi pour jouer. J'accroche un vecteur à l'arrière. Je me retourne. J'ai un vecteur à gauche. Donc, je l'attends. Je joue à l'angle du mur. J'attends, je décale. Pof. Là, c'est pareil. J'attends, hop. Semi-décale. Donc vous voyez que ça fait des séries de kills assez impressionnantes et que en fait je me mouille pas trop. Là il y a un petit blitz, donc du coup je me mets en sécurité, je recule un petit peu, j'attends que les mates viennent à niveau, ils montent, hop, je monte aussi. Là je lui fais une décale, pareil, en angle de mur, je me prépare en angle de mur, il y a rien, je décale à la fenêtre. Voilà, c'est des petits trucs que faut assimiler, ça se fait assez facilement. 1, 2, je l'ai raté le deuxième. Parce que la grenade m'a infligé du flinch. Du coup, vous voyez que la série de kills est assez phénoménale quand même. C'est sympa. Et voilà. Pourtant, il y a du beau monde en face. Il y a vraiment du beau monde en face. 1500, 1600, 1400 médailles. Alors voilà, c'est pas des no-name non plus. Alors me dites pas, oh, le matchmaking était easy quoi. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'ici, ils jouaient vraiment pas assez coordonnés. Et c'est ce qui les a trahis. Petit moment de battant, on monte au top, on essaye de reprendre l'ascendant sur A, lui il descend, il se fait kill. Bon, vous voyez quand même que à middle distance, l'arme elle tremble quand même pas mal. Mais ça n'empêche que le gameplay reste super intéressant. Voilà, je sais pas où le mec en fait, il a disparu, mais il s'est barré. Et du coup, allez c'est parti, je prends le nest. Le truc qu'il y a, c'est que en recon, surtout avec des armes comme ça, vous ne pouvez pas vous permettre d'être 50 mètres derrière, vous servirez strictement à rien et vous ferez défoncer la gueule. Camper, c'est pour les faibles, les gars. Donc, surtout si vous prenez des classes comme l'assaut ou le recon, vous n'avez pas les armes pour à la base. J'avoue que les devs avec leur putain de M27 lance-roquette, leur AN94 Halloween, assieds-toi sur mon canon, tu vas voir comment je te fais mal à 110 mètres, ça pique sévère. Mais c'est pas le principe de l'assaut en soi. Donc, pour en revenir à ce que je disais, vous devez de rester devant. Là, c'est pareil. Donc, j'ai eu l'opportunité, j'ai enfin tué celui qui me gênait à la porte. J'ai encore ramassé celui qui allait à droite et j'ai réavancé. Dès que vous avez l'opportunité d'avancer, il faut avancer. Être agressif ne veut pas non plus dire se jeter dans la gueule du loup dès que voilà, dès qu'on a une opportunité. Courir bêtement pour courir, c'est pas la peine, c'est pas ça à rusher. Voilà, si vous passez plus de temps à crever qu'à faire du kill, forcément vous allez plus tirer dans les pattes à votre équipe que bah rusher en soi. Donc bon, lui j'ai essayé de le jouer, bah il veut pas, non. Type 95, noob, je te déteste. Enfin bon, anyway. J'espère que cette petite vidéo vous plaît, vous le voyez que voilà, premier game test, un petit 28-7, on termine là-dessus avec un 7500 de score, c'est ça. Attention. Tarr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 
Comment expliquer ça? N'oubliez pas, en tant que scan pour les Recon, de donner l'information à vos collègues, c'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu, j'allais à droite, mais j'ai quand même scan la gauche, le middle et la droite, pour que bah, mes collègues puissent profiter de mon scan et voir ce qu'il y avait sur point. Je sais pas trop si vous avez compris ou... Ah, t'as compris qu'est-ce que j'ai dit ou comment tu as, t'as vu? Bref. C'est super important de bien jouer sans scan. Parce que c'est vous qui donnez, entre guillemets, la stratégie d'attaque. Parce qu'en fonction de votre scan, de comment il a été, de comment il a été balancé, comment dire, vos alliés en fait vont trouver une stratégie d'attaque, une ouverture, et du coup vont en profiter pour pouvoir avancer. Voilà, comme là, du coup, il y en a un qui a avancé sous la catwalk, donc là où je suis actuellement. Lui, je profite de la smoke pour le décal. Lui, c'est pareil, je vais le chercher. Et là, je tombe sur un os. Parce que j'ai pas pris l'information qu'il y avait un blitz derrière moi. Donc, du coup, je voulais aller chercher. Anyway, Fnatic, il débarque, il ramasse. C'est nickel, il a fait son taf. Mais il est venu un peu en retard. Et c'est pourquoi il est mort juste après cette action-là. Parce que forcément, il n'avait plus de recon avec lui. Anyway. Quand même pas mal agressif là, ça envoie du steak. C'est là où j'ai bien aimé cette partie, et c'est pour ça que je prends plaisir à vous la commenter, à vraiment en fait jouer le commentary à fond, parce que c'est ce qui fait la particularité de cette game, c'est qu'il y avait vraiment du beau monde en face, et on les a ruinés. On les a vraiment ruinés. Pas parce qu'on est spécialement plus fort ou quoi que ce soit, c'est que cette fois on leur a vraiment tapé dans la viande, mais intelligemment. Regardez les placements qu'ont les collègues, rien que ce que fait Subrosa ici dans les piliers, ça les fait chier, mais à un point. Bon, là maintenant il est mort, du coup, hein, c'est sûr, mais il peut pas tenir indéfiniment non plus. Mais je peux vous assurer qu'il les a vraiment fait chier. Du coup, il a bloqué toute la ligne sous la fenêtre, il y a personne qui peut monter à la fenêtre, personne qui peut prendre le top. Je trouve ça excellent. Et il a vraiment vraiment bien réagi, parce que du coup on a bloqué toute la gauche, et vous voyez qu'il y a 6 bonhommes à nous qui sont en capture. No susai. Oh là, attention, attention, attention. Là je sais plus comment on s'en est sorti, mais je crois qu'en fait on s'en est bien sorti. Ouais, ouais. Et le magnifique back de Fnatic, tadantantant. Voilà, du coup on sort de la droite, on repart sur la gauche. Qu'y a-t-il, qu'y a-t-il, qu'y a-t-il? Je scanne, je ne vois rien, j'entends quelqu'un derrière. Je le décale, pof, je monte sur point. On avance parce que du coup, il n'y a personne. Il faut bloquer les entrées assez rapidement. Je check gauche, je check droite. Je suis tout seul sur point. Donc du coup, hop, il faut que je reste vigilant. Il faut que je tienne le temps que mes collègues arrivent à niveau. C'est ça aussi qui est important. Il faut savoir observer, slash regarder, hashtag swag si t'as vu, je sais jouer. Anticiper, réagir en fonction de. Vous voyez que voilà, faut pas rester statique, faut bouger, faut savoir ce qu'on fait et attendre la bonne opportunité avant de faire quoi que ce soit. Donc là, du coup, l'opportunité pour moi c'est fermer sur la droite, je suis passé sur la gauche et voilà. Hop, il est mort. Mais lui, je sais pas ce qu'il branlait au sniper, il a voulu me rush. Enfin bon. Là, j'ai voulu réessayer la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf que je crois que j'ai pris une quiche. Je ne sais plus. Je crois qu'ils sont pas venus me chercher, je sais plus. Ouais, là j'ai mangé un BO, ça m'a un peu saoulé. Mais bon, j'y suis allé quand même. Un, hop, et deux. Oh yeah, j'ai quand même gagné ma décale. Je me posais la question. Et du coup, voilà, on repart sur une série de kills. On fait le back, tatatac. Et là, je me fais... Bim! Oh, nel. Et en plus, ce connard, vous allez le voir, même pas il m'a dit pardon, quoi. Même pas il m'a dit pardon. Enfin bon, c'est pas grave. J'étais triste, tu vois, sur le coup. J'étais désespéré un petit peu parce que je me suis dit, on m'aime pas. C'est parce que je m'appelle White Shark. Ils sont racistes, même Fnatic. Là, ils se foutaient de ma gueule dans le chat. Hashtag lol. Pourquoi pas. Hashtag sissi, je me suis fait tuer par un mate qui m'a cassé ma série. Easy. Posté sur Instagram. Et du coup, on se retrouve déjà sur A. En quelques minutes de jeu, à peine une dizaine de minutes. Alors là aussi, regardez, c'est une action très très importante. 4 personnes, je prends l'information à droite, boum, je prends l'information à gauche, je regarde, il y a un vecteur qui sort, un vecteur qui rentre, donc je prends celui qui rentre, je vais chercher le dernier qui est sorti, il est là dans l'angle, hop, il y a un vecteur qui arrive derrière, deux vecteurs, je regarde où c'est, je cherche l'information. Il est descendu, il est à ma portée, je vais le récupérer, je remonte. Alors voilà, si après toutes ces explications et après toute cette analyse,
de jeu, vous me dites que je cheat ou quoi que ce soit, je vais à force mal le prendre. Voilà, j'ai essayé l'action de la dernière chance. C'est-à-dire que même dans le jeu, j'étais mort de rire parce que voilà, ça avait pas du tout fonctionné comme prévu. En fait, j'ai sauté trop tard, le blitz m'est rentré dedans, je suis tombé en face d'un groupe de 3 ennemis, je me suis fait défoncer sans avoir même pu me défendre. Scène ridicule. Scène ridicule. Ah mon dieu. Don't give a shit about that. Seriously. Bon, là c'est pareil, je crois que je me fais enculer en coulado. Je sais plus en fait. Là j'ai essayé, j'ai tenté la grenade de la dernière chance. Décale de ouf, ça a pas marché. J'ai touché personne. La bombe a piqué mon kill en plus. Gros connard. Et bon là ils sont rentrés sur B. Parce que du coup j'ai été trop gourmand. Et je crois même qu'il me l'a dit. T'as été trop gourmand, ouais. Je sais plus. Donc là on cherchait le dernier pécor sur B. Je l'ai entendu. Et je suis venu le chercher à gauche. J'espère que cette petite approche de partie du coup vous fera plaisir. Parce que voilà, ça change de d'habitude. Un petit peu de musique, un bon commentary, et puis voilà. C'est vraiment différent de d'habitude. Dans le sens où d'habitude, bah, c'est des games que je fais comme ça et que je vous publie telles qu'elles sont, un petit peu brutes. Et cette fois-ci, j'avais envie de discuter avec vous. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Je me suis dit, surtout sur une game comme ça où je donne mon avis, c'est toujours appréciable. C'est toujours appréciable, surtout au vu des nouveaux packs qui sortent. Voilà, comme ça vous avez mon avis, vous voyez comment je joue et puis je discute de la game avec vous. Vous prenez des informations, quelques conseils et techniques. Et je trouve que voilà, il n'y a que du bon pour vous. Et à la base, c'est ce que je voulais apporter sur YouTube. C'était mon concours aux gens, vous aider, vous apporter quelque chose. Et puis voilà, c'est génial. On arrive tout doucement sur la fin de cette vidéo. On notera que finalement cet MP5 Far Cry est pas forcément si dégueulasse que ça. Faut juste savoir la jouer et dans quelles conditions. C'était un gameplay intéressant que je vous propose et à mon sens il en valait vraiment la peine. Ce qu'il en retourne aussi c'est que ce pack Far Cry c'est purement commercial et en soi les stats des armes ne changent quasiment pas des armes originales. Mais voilà, elles ont toujours un petit plus, sinon voilà, l'édition illimitée n'a pas lieu d'être. Anyway, si vous avez la possibilité de les prendre, moi je vous conseille de vous orienter vers la MP5 et la M27. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le travail et à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez suivre mon contenu plus régulièrement. Cette vidéo est maintenant terminée, je vais vous faire de gros bisous et vous souhaiter une bonne fin de visionnage si vous êtes encore en train de regarder la vidéo ou si je parle au futur parce que vous êtes au passé et que donc vous allez voir ce que je dis. Enfin bon, bref, tout ça pour dire, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Impulse.